Parlons un peu de la façon dont nous sommes tous nés. Ce que l'on voit juste ici, c'est une photo d'un spermatozoïde en train de fusionner avec ce qu'on nomme un ovule. La scène que l'on observe juste ici, c'est la fin d'une compétition épique, car ce spermatozoïde est l'un des 200 millions à 300 millions qui se disputent cet ovule. Il y a donc 200 millions à 300 millions de ces entités qui se disputent tous un seul ovule. Et celui que tu vois juste ici est sur le point de fusionner avec l'ovule. C'est le gagnant de cette incroyable course qui inclut 200 millions à 300 millions de participants qui tentent tous d'atteindre l'ovule en premier. Il s'agit donc d'une victoire majeure, et dans une certaine mesure, on devrait tous être fiers de nous-mêmes, car chacun d'entre nous est le sous-produit de cette victoire écrasante d'un spermatozoïde sur 200 à 300 millions de ses congénères. Donc, le spermatozoïde vient de notre père et l'ovule de notre mère. Et tout cela se passe dans l'utérus de notre mère. Maintenant, discutons un peu de terminologie. Ces deux cellules vont fusionner selon un processus que l'on nomme la fécondation. On dit que le spermatozoïde féconde l'ovule. La fusion de ces deux cellules produit une cellule unique qui se différencie ensuite en toutes les cellules de notre corps. Il s'agit donc d'un processus extrêmement important, comme tu peux l'imaginer. Mais quels sont les noms des différents acteurs qui interviennent dans ce processus Les cellules sexuelles que l'on observe sur cette photo, je parle des spermatozoïdes et de l'ovule, se nomment des gamètes. Donc ici, c'est un gamète et l'ovule est aussi un gamète. Et tes cellules sexuelles se trouvent dans tes ovaires, si tu es une femme, ou dans tes testicules, si tu es un homme. Et comme tu le sais déjà, la plupart des cellules de ton corps ne sont pas des cellules sexuelles, mais des cellules dites somatiques, qui contiennent chacune 46 chromosomes. Contrairement aux cellules somatiques, chaque gamète, donc chaque spermatozoïde, et chaque ovule contient seulement la moitié de ce nombre de chromosomes. Si on observe ce spermatozoïde juste ici, tu peux voir qu'il est beaucoup plus petit que l'ovule. Donc, si je représente un spermatozoïde, attention, mon dessin n'est pas vraiment à l'échelle, mais c'est juste pour nous donner une idée de ce qu'il contient. Donc là, c'est le noyau sper du spermatozoïde d'un homme, euh, ton père par exemple. Et à l'intérieur, il y a 23 chromosomes, donc qui sont euh, les chromosomes qui viennent de ton père. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 21, 22. Et le chromosome numéro 23, c'est celui qui détermine le sexe. On parle de chromosomes sexuels. Donc, si ton père apporte un X, alors tu seras une femme. Et si ton père apporte un Y, tu seras un homme. Ce sont donc les chromosomes du gamète mâle, ou devrais-je dire du spermatozoïde apporté par ton père. Et ce gamète, juste ici, va fusionner avec l'ovule de ta mère, et encore une fois, je ne dessine pas du tout à l'échelle. Voilà donc l'ovule avec son noyau qui n'est toujours pas à l'échelle. Et ta mère va aussi apporter 23 chromosomes. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc si les chromosomes 23 qui déterminent le sexe sont un X et un Y, cela donne un homme. Et s'il s'agit de deux chromosomes X, cela donne une femme. Et ici aussi il s'agit d'un gamète. Ainsi, un gamète est un terme général pour désigner soit un spermatozoïde, soit un ovule. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient quand ces deux gamètes ont fusionné? Eh bien, il s'agit d'un ovule fécondé, que l'on qualifie de zygote. Et je vais le dessiner juste là dans une autre couleur. Bon, je n'ai pas beaucoup d'espace si je veux que tout tienne sur le même écran, donc mon zygote n'est pas du tout à l'échelle. Voici donc le noyau du zygote que je vais dessiner assez gros pour qu'on visualise bien les chromosomes qu'il contient. Donc encore une fois, mon dessin n'est absolument pas à l'échelle. Finalement, tu vas avoir les 23 chromosomes de ton père que je vais dessiner ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Et puis les 23 chromosomes de ta mère. Donc, tu hérites ce chromosome X de ta mère. Et comme tu l'as peut-être remarqué, j'ai regroupé les chromosomes par paires. Au début, on avait 23 chromosomes ici, dans le spermatozoïde, et 23 chromosomes dans l'ovule. Et maintenant, dans l'ovule fécondé, on a un total de 46 chromosomes. Et maintenant que l'on a un lot complet de chromosomes, cette cellule va continuer à se répliquer, donc à se diviser et à se différencier en toutes les différentes cellules qui composent ton corps. Et cette cellule s'appelle un zygote. Pour résumer, les gamètes sont les cellules sexuelles, qui transportent la moitié du nombre de chromosomes total, et le zygote est la cellule qui est maintenant prête à se différencier en un véritable organisme, et qui possède donc le double du nombre de chromosomes, c'est-à-dire un lot complet de chromosomes, soit 46 chromosomes. Et comme tu peux le voir, je les ai regroupées par paires. On parle de paires homologues, et chacune d'entre elles est une paire de chromosomes homologues. Mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, cela signifie qu'en général, l'un de ces chromosomes vient de ton père et l'autre de ta mère, et que ces deux chromosomes codent pour les mêmes choses, c'est-à-dire pour les mêmes protéines, mais dans des versions différentes. Pour simplifier grossièrement, disons qu'il y a un gène, celui de ton père, qui code par exemple pour la couleur des cheveux. Eh bien, le chromosome de ta mère porte un gène similaire, une autre version de ce gène, qui code aussi pour la couleur des cheveux. Ce sont donc des chromosomes homologues, car ces deux chromosomes codent en général pour les mêmes choses. Le zygote contient donc 46 chromosomes ou 23 paires de chromosomes homologues, c'est la même chose. Ça, c'est pour les êtres humains. Si on parle maintenant d'autres espèces, au lieu d'avoir 23 paires de chromosomes homologues, c'est-à-dire 46 chromosomes au total, tu pourrais par exemple avoir 10 paires de chromosomes homologues ou 20 chromosomes au total. Maintenant, les biologistes utilisent les termes haploïdes et diploïdes pour parler du nombre de chromosomes pour une espèce donnée. Haploïde renvoie au moment où tu as la moitié d'un lot de chromosomes. Donc pour les êtres humains, le nombre haploïde de chromosomes est égal à 23. Et pour une autre espèce, ce nombre sera différent. Le terme haploïde se compose du préfixe haple, ce qui indique qu'on ne possède qu'un seul membre de chacune des paires. Et quand tu possèdes 46 chromosomes, tu disposes donc des deux membres de chaque paire ou d'un lot complet de chromosomes. Donc 46, c'est le nombre diploïde de chromosomes chez l'homme. Et en général, quand on commence à parler de mitose et de méiose, pour une espèce donnée, on note N le nombre haploïde de chromosomes, contre 2N pour le nombre diploïde, donc le double de chromosomes N. J'espère que cette vidéo t'a permis de te familiariser avec une partie du vocabulaire de la fécondation, donc avec les termes haploïde, diploïde, zygote et gamète. J'espère aussi que tu te sens mieux dans ta peau, maintenant que tu sais que pour exister et acquérir au moins la moitié de tes chromosomes, tu as remporté une incroyable compétition sportive.